Bonsoir à tous, bienvenue pour cette nouvelle diffusion de pour découvrir un jeu qui est, comme vous le voyez, Dragon Quest Builders 2, la suite du premier, dans cette logique. Donc en fait, le premier Dragon Quest Builders, en fait, le monde est envahi par les ténèbres, et donc la déesse envoya notre personnage, un héros, pour redonner la lumière dans les ténèbres. Et pour ce faire, on devait reconstruire des villages, reconstruire des maisons, tout ça, tout en combattant des monstres. Alors le jeu, c'est en gros du... Bref. Grossièrement, c'est du Minecraft version Dragon Quest. Et personnellement, je trouve que c'est un peu plus mignon. Alors, c'est le moment de créer son perso. On va prendre un personnage féminin. Les cheveux. Alors le chara design, comme d'habitude, c'est Akira Toriyama. On va faire une Bulma. Voilà, la peau. Ok. Une Bulma avec les yeux verts. Voilà. On va l'appeler Camo et comme d'habitude. Hein. Zut. Voilà. Est-ce que vous aurez suffisamment progressé dans le jeu? Oui, ça va, on s'en fout. Oh, ouais, on y vient, c'est bon qu'on vienne. Bon. Regarde au pack sprinté, ok. Apparemment, il a l'air d'y avoir des. On peut chevaucher des montures hein, cette fois. On va faire tel quel. Hein. En plus, il y avait 4 pages de paramètres. Bon, de toute façon, c'est une découverte. Hein. La référence au premier, j'en sais rien. Mais je me rappelais qu'à la fin, c'était plus un dragon qu'autre chose qu'on combattait. Mais bon. Beaucoup d'eau a coulé sur les ponts depuis ce jour fatidique. La peine règne désormais. Notre ordre est dispersé aux quatre coins du monde. Dites-moi, mes frères et sœurs, que fait un monstre quand il se retrouve acculé? Il meurt, bien sûr. Nous devons tout faire pour détruire ce monde. Ouais, bif Chaos, ouais, soit j'ai pas vu. Au père démoniaque, écoutez notre prière, délivrez-nous de ce monde de l'oubli. Cinématique quand même au début, tous les Horizon qui sera là son de destiné de t'attendre. D'accord, déjà début du jeu,
allongé par terre à montrer sous sa jupe. Il arrête la tête qui t'inquiète mon enfant. Il n'est pas ignoré, je le sais bien. Tu m'aides de ces bâtisses. Peut-être pourrait finir par faire tourner contre toi. Tu n'as pas une maîtresse bâtisseuse. Ah non, tu n'es pas une maîtresse bâtisseuse. Tu n'as encore qu'une maîtresse outil. Mais ça fera l'affaire d'ailleurs, j'ai un travail parfait pour toi.
c'est vrai que dans le premier, il y a une fabrique des bonnes choses. Thank you.
c'est ça. C'est pas qui parle, mais bon.
presque équivalent au nombre de trous qu'il allait y avoir. Aussi. Sachez que toute sauvegarde effectuée au-delà de ce point ne pourra être utilisée dans la version complète de la mission. Ok. Alors, le CPU, c'est quoi ça? Yeah.
les cartes ont l'air d'être largement plus drôles, même si trop. Se réfugier dans une baraque totalement démolie et par laquelle on peut rentrer par le mur. C'est génial. Ah, c'est un gluant. C'est un cadavre de gluant. Thank you.
Eh bien.
d'accord. Ça permet de faire un peu tout et n'importe quoi à côté. J'exige qu'on me l'apporte, un machin. Hein. Est-ce qu'on prend une princesse? Ensuite, elle demande les noms. Installer la version le premier pour y en jouer quoi. Parce que ça serait que je le système. Ça va cool. Hein. Là, le d'arbre ça va faire un bon. Thank you.
ça c'est important. Ah, c'est bon, je ne parle pas, j'examine. C'est 30 coquillisés et 50 morceaux de varec. Que tout soit cuit pour l'heure du déjeuner. Ah bah dis donc. Un peu exigeante la fille. Hein. Hop!
flanc. Permet de faire des coups sur
Thank you.
Thank you.
C'est ça. Bien. Bon bah voilà, la démo est terminée. Moi personnellement, je suis fan de ce jeu, donc forcément je me l'achèterai. Après j'espère que ça leur aura permis de découvrir le jeu. Voilà, globalement c'est un mini Minecraft, quoi, mais version Dragon Quest. Mais c'est vrai que honnêtement, moi je les préfère quand même à Minecraft, même si quelque part les deux jeux sont pas comparables. Enfin bref, c'est assez difficile à expliquer. Voilà, d'ici là, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch pour voir mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à voir mes replays sur YouTube. Le lien est indiqué dans les commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma page Facebook pour connaître un peu mon actualité sur les prochains jeux que je vais présenter et ainsi de suite. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Au revoir.